Sarajevo, celui-là. Le premier passing gagnant de Manarino dans cette partie. Voilà, réussite un petit peu. Mais ça fait encore un retour gagnant pour Manarino. Celui-là de coup droit. Et... bien sûr qu'il y est sur ce coup. Et il peut passer long de ligne, Manarino. Il est récompensé de ses efforts. Il a fait jouer toujours une volée de plus à Purcell plutôt que de chercher le passing impossible. Purcell pour finir cette première manche, la double faute de l'Australien alors qu'il avait remarquablement bien servi tout au long de cette première manche. Il a claqué 12 aces Purcell et grâce à cette deuxième double faute, Adrian Manarino empoche le premier set au tie-break. Et voilà, de l'intensité et de l'engagement, il est parfait ce point. Bastien Grosjean. Et tout le clan français qui s'est levé à l'unisson sur ce lob d'Adrian Manarino. Ah, quel contrôle dans son jeu. Regardez, c'est de l'art ce petit revers lobé. Un dernier service gagnant pour le divin chauve qui peut brandir le point. Adrian Manarino impose 7-6-6-4 et lance parfaitement l'équipe de France. Face à l'Australie. Et Max Purcell n'a pas voulu serrer la main tout de suite. Il avait un challenge avant. Et la voilà, la poignée de main entre les deux hommes. Il voulait rentrer au vestiaire sans regret. L'Australien. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.